walking right now. Oh, it's back in the trees. Well, look at these trees. They're not very big, are they? Well, they're getting bigger. Mountaintop walk. This is what this one looks like. It's pretty clean. Pretty clean. Good day, everybody. Here I am at the summit of Mount Logan. 3,800 feet ish, over 1,000 meters. And this is it. I conquer you, Mount Logan. There you go. Mine. Happy trails. Edition of Interviews with a Hiking Sailor. Et aujourd'hui, on rencontre deux fiers qui sont les responsables pour 5 km de la piste pour maintenir. Anyways, c'est quoi votre nom, mes amis? Mon nom est Louis Fradette et mon frère Pierre Fradette. Qu'est-ce que tu fais ici? Je corrigerai un petit peu. C'est le comité Matane qui s'occupe de la section de la réserve Matane. Et pour le SIA, c'est le comité Québec. Fait que moi, je suis un bénévole du SIA Matane. Et Pierre et moi, on travaille sur un projet d'air protégé qui protégerait l'ensemble des Chic-Chocs dans la réserve Matane. C'est ça le projet. Puis le but, c'est de protéger des espèces comme le caribou et la grille de Bicknell et d'autres espèces. Comme l'aigle royal. Des espèces en péril, mais aussi des milieux naturels. On a fait aussi beaucoup de projets d'inventaire de plantes, d'oiseaux, de couverts forestiers. On a fait beaucoup de projets au fil des ans depuis au moins 10 ans. Wow, comme c'était nous deux. Puis là, présentement... Pas seulement deux, on est six dans ce comité-là. Ouais. Puis je tiens à dire que la protection, ça vise à continuer la récréation, le récréo touristique, la chasse, la pêche. Mais on ne veut plus que l'exploitation forestière se fasse dans nos montagnes. On a hâte qu'il y ait des gens qui comprennent ça. Que si on coupe la forêt, on l'abîme pour des dizaines, des centaines d'années. Parce que
la repousse est très lente parce qu'il va y avoir de l'érosion pour toutes sortes de raisons. On ne veut plus que l'exploitation forestière, de même que toute autre exploitation. Anyway, mes amis, mes nouveaux amis, merci pour votre conseil. C'est nous qui t'en remercions. Bonne journée à vous autres. Eh? Oui, à toi aussi, bonne fin de randonnée. Ouais. Et le livre va sortir le 19 novembre. Oui, ok, ok. C'est vraiment impressionnant de savoir ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire de partir du petit saut et de te rendre à l'Ictal, chapeau, parce que il y a bon toute une dénivelée. Tu mérites une petite bière à soir, je sais pas si tu veux. Ok, merci, merci. Bonne journée à vous. Et bon vélo. Oui, merci. Shelter for tonight. Anyways, let's take a little look at this shelter. This is an 8-person shelter. Okay, it's called a refuge. And 2 tables, cooking area, stove, hangers, wood pit. And believe it or not, in here you're gonna freak out. Look at this. You can't see it now, but there's a whole wood pile there. Stalked. Crazy. And also, the one crazy thing about this place, mattresses are included. Wow!